voilà. C'est tout à fait mérité, hein. Votre livre est vraiment très fort. Merci. Toi, t'as été très très bon, hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je change de statut, là. Je crois que j'ai su que j'allais faire ce film le jour où j'ai compris que je pouvais condenser l'action sur 2 jours. C'est-à-dire, c'est l'apogée de la trajectoire d'un jeune auteur qui est voué à un grand succès et qui, en quelques heures, va être détruit par des tweets qui vont ressortir cette mémoire infinie d'Internet. Les éditions Glossier viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud. La ferme Eddy McLeod, comme on l'a appelé, a été l'élément déclencheur de ma réflexion autour de ce film. Je ne voulais pas raconter l'histoire de Eddy McLeod, je voulais raconter, il y en a eu d'autres histoires de ce type-là, je voulais raconter une histoire assez emblématique de notre époque. Venez. Ça va, ça se passe bien, vous êtes content? Oui, super. Bon, je vous félicite parce que l'émission était très très bien. Très content que ça vous a plu. Venez, je vais vous présenter. Merci. Je vous présente Claude, vous vous souvenez? Espanol, enchanté. Merci pour votre roman. Merci, ça me touche. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est possible de prendre un selfie? Un plaisir. Merci. Merci beaucoup et bravo, vraiment. Merci. Bon, Karim, je vous laisse. Tout à l'heure. Le point de départ du film, c'était quand même de regarder la place que prennent les réseaux sociaux dans nos vies. C'est énorme. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais je vois d'abord autour de moi combien de temps certaines personnes peuvent passer là-dessus. Et je vois aussi leur impact sur nos vies. Et puis, dire aussi que je pense qu'on les utilise énormément. Merci. Sans beaucoup les interroger. Sans beaucoup en interroger ni les mécanismes, ni les dangers, sans interroger la responsabilité justement qu'il y a à y écrire des trucs comme ça en 10 secondes. Hein. Et c'était ça le but du film. Non, c'est pas que des tweets. Avec tout ce qui se passe pour toi, là, ils sont relayés partout. Ah, ça va. Peut-être que t'en fais un peu trop, là, non? Non. Ils vont pas te lâcher, là. Putain, mais je comprends pas. Ces messages, ils sont dans mon historique depuis toujours. Ce qui m'intéressait, c'était justement cette fulgurance-là. Comment notre monde aussi génère cette vitesse-là. Et il fallait que le film colle, enfin que le rythme du film colle à ça aussi. Je te rends compte de ce que t'as écrit quand même. C'est-à-dire? Les messages qui sortent là, c'est immonde. Immonde? Attends, tu les connaissais ces messages? Ils te faisaient bien marrer, tu me suivais, non? Non, c'est pas la question. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon livre de chevet, et en l'occurrence, ceux qui sortent là, je te jure, je les ai pas lus. Pardon? Et puis, j'avais envie que ce personnage soit continuellement en mouvement, oui. Qu'il soit continuellement presque poursuivi par son histoire. Et on a du coup, d'une part, essayé de tourner ça de manière très, très sèche, en étant vraiment très proche de l'os, quoi, si on veut. Je comprends cette volonté de vouloir être avec le personnage, ne pas le lâcher et être dans sa tête, et puis en avoir marre, mais en même temps avoir à certains moments peut-être une certaine empathie pour lui, mais en même temps se dire que non, c'est quand même immonde ce qu'il pourrait écrire, et puis d'être un peu le cul entre des chaises quand on regarde ses films, passe aussi par là, par le fait qu'on soit tout le temps avec lui, qu'on peut un peu l'apprécier, autant le détester, dans la même minute. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Mais on est coincé avec lui. Au montage, j'ai aussi amplifié ça encore en le condensant encore un peu plus autour de vraiment les mécanismes en fait mis en œuvre plutôt que de m'attacher à la vie de ce personnage par exemple. Je n'ai pas besoin de raconter son enfance pour le comprendre et le connaître à travers ce qui vient de se passer pour lui. Non mais attends, t'es pas sérieux là? Je t'avais dit que tout est facile. Donc tu les avais lus, on est d'accord? Arrête, c'est pas ça la question! Les messages, c'est pas moi qui les ai écrits, on est d'accord là-dessus? Non, c'est pas toi qui les as écrits, mais tu les as repostés. Et t'as même appelé les gens à me suivre, je te rappelle. Ok, c'est bon, j'ai compris. Pour moi, ça devait être un peu un film de procès. C'est-à-dire que ce jeune homme qui est mis au banc de la société d'un seul coup en quelques heures, va passer de tribunaux en tribunaux. Il commence par sa maison d'édition. Et là,
Il est face à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes références que lui. Il y a effectivement, là aussi, il y a une question générationnelle qui entre en compte. Comment est-ce qu'on vit les réseaux sociaux quand on a 18 ans et quand on en a 50? Je pense que c'est très, très différent. Je comprends pas. Karim D, c'est votre nom ou pas? Oui, mais ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud. C'était de l'humour. Vous savez, ma génération décode très bien tout ça, il n'y a aucun problème. Votre génération? Mais vous êtes dans une confusion totale, Karim. Vous dénoncez précisément ce que vous pratiquez. Au mieux, c'est malvenu, au pire, c'est de la bêtise. Pour interpréter ce type de personnage, il ne faut pas se poser la question à savoir est-ce que le personnage le pense, ses tweets, ou ne les pense pas, parce que lui-même est en questionnement avec ça, en fait. Écoutez, j'ai plus de 200 000 abonnés qui me suivent, et personne ne m'a jamais rien dit. La vraie question, j'ai l'impression, c'est de savoir ce que vous en pensez, vous, Louise. Je n'en pense rien. La dangerosité des réseaux sociaux peut amener à ce genre d'incident. Le but étant d'être le plus liké, le plus reconnu, le plus aimé. C'est un peu aussi une quête d'amour. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle un like. C'est parce que c'est de l'amour que demande ce personnage. Ça lui fait plaisir de voir qu'il est retweeté et qu'il a de plus en plus de followers. Et pour créer cette mécanique, il faut passer par un buzz. Donc un buzz ou un bad buzz, ça reste un buzz quand même. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. Ok, donc on parlait de thunes depuis tout à l'heure en fait, c'est ça? Pardon? Arrête. Je vous trouve très injuste, Karim. Et très irrespectueux. C'est important de mettre des mots sur les choses. Et en fait, tout le film, c'est une progression vers ça. Au début, c'est « mais non, il n'y a pas d'histoire, c'est bon, il n'y a pas d'affaire, c'est vous qui délirez ». Puis progressivement, il va commencer à se défendre, avec des mots mal choisis souvent. Et plus on avance, plus il va choisir ses mots justement, et plus il va aussi être sincère dans sa façon non pas d'assumer, parce qu'il n'arrive pas encore à le faire, mais de chercher à comprendre. J'ai l'impression que ma génération veut tout le temps être dans la course. Ensuite, il va trouver des amis qui sont un peu à son image, des jeunes gens qui sont tolérés dans ce monde de la culture. Il y en a un qui fait des BD, l'autre qui fait de la mode, un autre qui fait de la télé, tous ces jeunes gens sont issus de l'immigration et sentent leur fragilité, connaissent leur fragilité et du coup n'ont pas envie d'être associés au naufrage de Karim et donc vont le garder à distance. J'ai plus envie qu'on nous voit ensemble, d'accord? Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans. Ces messages-là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens. Twitter, c'est une course comme une autre. C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête? Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, une respiration. Un tweet, une respiration. Ensuite, il va revenir dans son milieu d'origine, si on veut. Il va franchir le périphérique pour revenir à Bagnolet, chez lui. Et là, il va être confronté aussi à des jeunes gens qui n'ont pas envie d'être assimilés. Parce que c'est vrai que l'amalgame est très, très vite fait. Il suffit qu'un jeune fasse une connerie pour que ce soit les jeunes de banlieue qui en soient responsables. Les gens qui peut-être écrivent ces messages-là ne se rendent même peut-être pas compte de la gravité des propos qu'ils peuvent avoir. Putain, mais c'est un assassinat sérieux, là. Ouais, j'arrête pas de poster des trucs, j'arrête pas de te défendre. Faut pas mal d'imagination pour ça, non? Pour? Bah, pour te défendre. Puis, progressivement, il va aller vers le plus intime, avec sa famille, avec son petit frère. Et chaque fois, on lui pose un peu les mêmes questions. C'est « mais pourquoi tu as écrit ça ?» Et lui-même ne sait pas trop y répondre. Et c'est... voilà. Moi, je crois que c'est ce qui m'intéressait chez lui. C'est que c'est un personnage qui est totalement dépassé par son histoire, qui comprend pas, quoi. C'est pile poil le bon moment, vas-y. Dis ce que tu penses, on t'écoute. Bah, c'est très simple. Tes messages, là, moi, je les trouve juste insupportables, en fait. Ok, donc tu vois pas le troisième degré là-dedans? Mais y a pas que lui qui le voit pas, le troisième degré. T'as vu tous les tweets des fachos? La révélation que son petit frère a pris ses tweets pour argent comptant et les a pris au premier degré, ce qui peut arriver, c'est vrai que
un gamin de 14 ans n'a pas la même maîtrise du second degré ou du troisième degré ou quatrième que revendique Karim. À ce moment-là, je pense que Karim prend conscience de la responsabilité qu'il y a à écrire, quel que soit le support. Et la règle du jeu, de cette recherche du follower, celui qui va vous liker, tout ça va faire qu'on a moins conscience, je pense, au moment où on le fait, du poids des mots, la répercussion que ça peut avoir. Et ça, le petit frère le met face à ça. J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Et plus c'était trash et plus on me suivait. Mais Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça. Quand j'écrivais, je pensais, enfin, son visage se superposait souvent à celui du personnage. Je me suis méfié un petit peu de cet attachement que je pouvais avoir à lui. Du coup, j'ai quand même rencontré pas mal d'autres jeunes comédiens avec lesquels j'ai fait des essais. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu quand même que je reconnaisse que Rabat s'imposait. Parce que peut-être que d'autres auraient pu faire le rôle, mais qu'il avait compris des choses très, très fortes pour moi. Et en particulier, qu'il était capable d'endosser les différentes facettes du personnage, c'est-à-dire à la fois très mondain au début, très intériorisé par la suite, et que tout ça, il me touche énormément dans le film. Quoi. L'ironie du sort, c'est que Laurent Cantet donc m'a offert mon premier rôle au cinéma, et mon premier rôle au cinéma, du coup. Il y a une fragilité qu'il est capable, effectivement, d'assumer derrière une espèce d'aisance qu'il peut aussi avoir, et qu'il peut avoir souvent. Et puis bon, il a un sourire qui, moi, me fait craquer. Il y a une espèce de sincérité comme ça dont le personnage avait besoin. Non, mais c'est vrai, Karim, d'une certaine manière, personne ne te connaît sur les réseaux. Non, c'est ce que tu penses, mais les autres, ils font comment? Je sais pas. Arthur Rimbaud, déjà, ce pseudo ridicule. Mes deux livres, mon engagement depuis toujours, ma web TV, je sais pas, ça fait pas le poids face à ces tweets, non? Mais attends, tu distribues un mode d'emploi avec tout ça? Arrête, putain! J'avais envie de faire des choses différentes avant le Cantet, avant Arthur Rimbaud. Je m'étais dit que voilà, j'ai envie de jouer dans des rôles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les plus éloignés possible. Et donc, déjà, de un, ce qu'il me proposait était totalement en adéquation avec ce que j'avais envie de faire. Donc déjà, de un, petite pression parce que je le voulais. Quand on passe un casting pour un rôle qui nous tient vraiment à cœur, petite pression. C'est pas un peu mégalo de penser que tout le monde te connaît, de croire que tu es tellement pur que personne pourrait se tromper sur ton compte? Mais arrêtez, vous les connaissiez tous, ces messages. Non, mais c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème, justement. Et là, vous vous en lavez les mains. Il y a plusieurs parties du personnage à travailler, plusieurs côtés de ce personnage à travailler, plusieurs situations aussi. Il y a la situation de par exemple, être à l'aise dans ce nouveau milieu qu'il découvre, mais qu'on comprenne qu'il a travaillé pour avoir cette aisance-là aussi. Donc c'est quelque chose qui était vachement précis à travailler. Après, il y avait tout l'autre côté de la descente aux enfers qui était travaillé encore, mais complètement de l'autre côté. Et donc avoir un peu tout, c'était beaucoup de travail. Ouais, note que moi, ça m'empêche pas de te défendre quand même. Quand même? Bah oui, quand même, Karim. Tous tes messages là sur Charlie, sur les terroristes, sur les juifs, sur les PD, c'est chaud à vous? Ouais, c'est chaud, ouais, grave, c'est super chaud. Tu sais quoi, je sais même pas quoi te répondre en vrai. Je suis même quasi sûr qu'il y a certains de ces messages qu'on a écrits ensemble, tu vois. Et là, ils sont en train de me lyncher et vous me regardez crever la bouche ouverte sans rien faire, d'accord? Il faut réussir aussi à avoir une cohérence un peu dans tout ça et en faire un seul personnage, mais avec plein de côtés qui sont différents. Et donc ça, c'était des semaines de travail. Et au bout de ces semaines de travail, quand on arrive le premier jour de tournage et qu'il me dit « action », j'avoue que là, je ne vais pas dire que je découvre parce que c'est faux, mais petite pression qui est quand même assez nouvelle pour moi. C'est sûr qu'ils nous préféreront morts. Les écrivains, on les préfère toujours morts. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi j'en ai eu, je les ai presque tous eus. Je les ai utilisés à des fréquences plus ou moins importantes à certains moments de ma vie. Mais je me suis jamais
j'ai jamais réussi en fait j'ai toujours inconsciemment dissocié les réseaux sociaux du monde réel et j'ai toujours eu une certaine distance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que même quand je les utilisais fréquemment, c'est plus pour leur fonction, par exemple de messagerie, pour garder contact avec. Ouais. Mais toute cette course aux followers et cette représentation quotidienne dont on a besoin, non, moi j'ai jamais vraiment eu envie de ça en fait. Ouais.